Eh bien, salut à tous, c'est Gomix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live en fait sur la ferme Limousine. C'est une map que moi je connaissais pas et que je découvre. J'en ai entendu parler depuis un certain temps et j'avais jamais joué dessus. Donc ça va être l'occasion de la découvrir parce qu'en fait elle va nous servir pour un petit roleplay par la suite. Donc on va profiter de ce petit live en fait pour faire une petite mise en place des modes et puis découvrir la map. Donc on va jouer tranquille en fait. Donc là on est parti, on va déjà retourner à la ferme. Et là j'ai fait un champ d'avoine. Bon, mon tracteur glisse un peu, vous me direz c'est normal vu la remorque que j'ai derrière. Alors, on va tourner, hop. Donc c'est un live qui sera rediffusé en fait sur ma chaîne YouTube, donc sur Goomix14. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, à vous abonner si ça vous plaît. Moi ça me fera plaisir et ça m'encouragera d'autant plus à continuer. Alors attendez, parce que si que je me trompe pas quand même, je crois qu'ici il faut tourner. Ouais, par là, j'aurais peut-être dû prendre l'autre route de l'autre côté, c'était plus rapide. Mais c'est pas grave, alors. Je vais m'arrêter 2 minutes là chez le concessionnaire, je sais plus à quelle heure il ouvre. Il ouvre à 7 h, d'accord. Il ouvre à 7 h. Et il est. D'accord, il est 6 h. Bon. Eh ben on reviendra plus tard parce que j'ai un tracteur à récupérer en fait. Avec la presse. Petit tracteur qu'on va mettre à la ferme. Alors, est-ce que je suis parti du bon côté? Telle est la question. Ouais, c'est bien. Je commence à m'en repérer doucement. C'est ça qui est pas mal. Ça glisse quand même. On va aller doucement. Hop, 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 hop. Donc on arrive à la ferme. Alors, je me trompe toujours. Non, je peux continuer. C'est vrai que le chemin est plus loin. Sinon, il n'y a pas, je sais pas là le chemin. Bon, eh ben déjà on va commencer par une petite marche arrière. On va faire le tour là, remarque, attends. Parfait. Alors en fait c'était bien par là. Peut-être pas pris la meilleure entrée. Alors, j'ai stocké ça derrière, en fait, en vrac. En fait, c'est directement
un camion qui passera le récupérer. Parce que j'ai pas trouvé de. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu. Tout ce qui est avoine, tournesol et tout ça, on n'a pas de silo pour les mettre en fait. Enfin, il y a des silos, mais comme il n'y a pas le alternative tipping encore de sortie, on peut pas les mettre dans le silo. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est ça en fait. Le je sais plus comment il s'appelle, le plaçable hit, je crois. Bah, qui permet tout simplement en fait de stocker un peu partout, par où on veut. Moi je vais stocker là pour l'instant. Recule maxi. Et puis on verra après avec le. On verra après qu'est-ce qui est prêt à me l'acheter un peu plus cher. Hein. Quelle coopérative va pouvoir venir me le chercher directement. Toc, on ressort. Voilà, voilà, bingo. Bingo. Alors c'est quand même une map qui est super jolie, moi je trouve, franchement. Bravo au concepteur, hein. À celui qui a créé la map, qui a fait la map, ou à ceux qui ont fait la map. C'est du super boulot, moi je trouve. Niveau de détail, bien, super. Alors, franchement, super joli quoi. Plein de petits chemins, différentes tailles de route. Les champs sont pas trop grands. C'est ce qui est intéressant. Ça permet de l'utiliser soit en multi, soit en solo. Trois cordes de ferme, donc c'est quand même super, super pratique. Hein. Éteindre les lumières, de toute façon, on n'a plus besoin de lumière. Allez, vert. Ah, c'est dur, remarque. Hein. J'ai pas choisi la plus petite remorque. C'est bien fait ces petits panneaux là pour acheter les terrains. Sachant en fait des ronds bleus là au milieu. Et alors je crois que je m'étais trompé de route, mais non, en fait c'est vrai que ça tourne pas mal par là. J'étais en train de me dire c'est un cul-de-sac, mais non. Pour d'inquiétude. Alors là, on clique à gauche. Et c'est reparti. Pied au plancher. Hop là. Alors, où est-ce que sont mes andins? Où est-ce qu'est ma moissonneuse plutôt? Au fond, à bord. Alors, on va enlever ça déjà, ça va être plus propre. J'ai ici un petit truc, je vous garantis pas. Sinon, c'est pas grave, on le fera plusieurs fois, ça marche pas. Hop, boum, allez.
fait, bon. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Bon, on est reparti. Tiens, donc j'ai des petits coups de lag bizarres. J'en avais pas tout à l'heure, bon. Ça s'améliore parce que là je tombe pourtant et pour trop de soucis, c'est bizarre. Ah putain, ça m'énervait ça. Alors, deux petites minutes, je vérifie qu'il n'y ait pas un problème. Alors. Je vais fermer ça. Est-ce que c'est ça peut-être? On va regarder tout de suite si c'est mieux. La mauvaise touche, bravo. Par contre, ça va être désagréable si ça fait tout le temps ça. Alors peut-être c'est peut-être le logiciel de capture qui fait ça en moi. Je vais voir si je peux réduire au pire. Ok, bon. Oh, putain. Ah puis là, bravo, super. La chance qu'elle soit revenue. Bon après c'est peut-être le serveur qui fait bugger aussi. Hein. Je vais voir, sinon je tournerai après sans le serveur. Parce que là, comme la carte est sur le serveur, je préfère tourner direct au moins. Comme on est plusieurs à avoir accès. C'est vraiment désagréable en fait. Oh là là là.
si en plus je suis des manques. Allez. On va voir si j'ai le même problème quand je roule avec le tracteur. Parce que c'est bizarre, j'avais pas ce problème-là au début, en fait, quand j'ai commencé. J'ai déjà joué quelques heures dessus déjà. Et j'avais pas ce problème là. On va quand même essayer de finir le champ en fait. Ça serait pas mal. Ou la virgule que j'ai dû faire. Content. Putain, mais j'y arrive avec mes touches ou quoi? Tu y arriveras. Ça devient désagréable à jouer. Je vous dis, moi, j'ai horreur de ça en fait. Quand ça lag comme ça, putain, y a rien de tel pour m'énerver. Comment réussir à arriver au bout, j'espère.
ça vaut des petits champs en fait. Quand vous êtes avec la Sampo, ça vous paraît un champ énorme, quoi. Je crois que j'ai regardé, bon, il fait 4 hectares, mais j'ai l'impression que c'est interminable ce champ. Vous avez pas l'impression d'avancer. Alors que pourtant, c'est quand même un petit champ. Pour dire, allez, putain. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, si, ça le fait, 80, c'est bizarre quand même. Allez, mon petit tracteur, allez, allez, allez. La remorque est à 42%, donc ça va le faire. Ça va le faire impeccable. C'est reparti. Je pense qu'on va encore pouvoir mettre une trémie dedans. Vous m'expliquez pourquoi... Attendez. Voilà. Pourquoi elle crache toujours la machine? Et comme un petit problème à mon avis. C'est pas normal qu'elle crache encore, bon. Tant pis. On va voir que c'est pas mal comme ça, j'ai l'impression de moissonner moissonner plus vite qu'avec la machine quoi, enfin c'est coupé avant que je passe. Bon, c'est pas mal, bon par contre ça lag, c'est chiant quand même. De remplir la remorque là, puis ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. En fait ça va être le temps pour moi de faire une sauvegarde en fait pour pouvoir repasser sortir du serveur, parce que là c'est pas du tout agréable pour jouer. Et pour vous non plus, ça doit pas être agréable d'ailleurs, parce que disons, regarder un live qui lag comme ça, c'est pas super. Enfin, c'est surtout que ça lag quand on récolte. Chose que quand je joue en multi en fait, sans stream. Bizarre. On va faire tout un pataquès. Je vais essayer de regarder. On va finir de remplir la trémie, vider la remorque. Enfin, remplir la remorque, aller la vider.
2009, à mon avis, je vais pas aller au bout. C'est pas grave. Ah, peut-être quand même. Que les travées ont tendance à se réduire quand même. Peut-être une chance, 4002. Juste, juste. Non, ça le fera pas. C'est pas grave. C'est même pas dit que je remplisse la remorque encore. Si, non, si, ah, pas sûr. Bon, eh ben, on va continuer un petit peu. Hein. De toute façon, pour l'instant, on peut pas faire autre chose puisque le concessionnaire est fermé. Ça m'énerve de me tromper de touche à chaque coup. Doucement, doucement. Tiens, ça marche apparemment. Ah, et là, c'est arrêté. Bon, bon. C'est déjà un bon point. Alors, ça paraît long le champ, je sais. J'ai qu'une petite sampo, mais bon. Je démarre ma ferme, donc bon, j'investis doucement, on va dire. C'est surtout que c'est la machine qui était au début et que bon, on n'a pas remplacé pour l'instant. On a pas décidé ce qu'on allait mettre, parce que bon, on a de l'argent, mais c'est juste en fait pour préparer, comme je vous disais, le petit roleplay. Qui viendra après sur la chaîne, qui sera filmé et qui viendra sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Ouais, vous inquiétez pas, enfin, je vous dis ça normalement, oui, il n'y a pas de souci, ça va pas laguer comme ça. C'est que là vraiment je suis en, sur le serveur et je suis en live en même temps, donc à mon avis les deux ensemble ça doit pas
ça doit poser quelques problèmes, parce que j'ai pas ce souci là hier en multi, aucun problème, c'était super fluide. À mon avis c'est le logiciel de capture avec le serveur qui fait ça. Et je vous dis, on va finir de remplir la remorque et puis on fera une petite pause le temps que je télécharge en fait la sauvegarde. Ça, on passera à côté du... Bon, on sera en local quoi, ça sera beaucoup mieux je pense. On va les vider. Ça va passer, ça va passer, ça passe. Et non, j'arrive quand même à toucher. Bravo, super. C'est plein. Il en manquait vraiment pas beaucoup. Hein. Allez, on est reparti. Petit tour à la ferme. Partir par là. J'étais en train de me dire j'ai pris large, mais au final non, c'est pas mal. Il fallait presque ça. Et par contre, il faudrait peut-être que je pense à changer mon tracteur. J'ai des deux de ça à la ferme qui serait peut-être un peu mieux. Bon, faut espérer qu'on ait pas d'eau parce que le grain qui est dehors pour l'instant, c'est pas super. Hein. Ce qu'on va faire, il y a un 2 de ce qui est là, on va prendre le 2 de ça après, ça sera à mon avis mieux.
Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause maintenant, le temps que je récupère ma sauvegarde sur le serveur. Et puis on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Allez, à tout de suite. Et puis, à la prochaine pour ceux qui vont revoir la diffusion sur YouTube. Salut, salut!